Bonsoir, bonsoir, je suis Steve Biko l'ouragan, président de la CAPOL. Bien, je tiens à remercier maman Christine Zoku. Voilà, quand je dis je tiens à la remercier, c'est parce que elle a toujours mené des actions concrètes et elle vient de mener encore une autre action associée avec les Africains, puis quelques mélanges de Français. Voilà ce qui me réjouit. Je vais vous présenter le lien. Je crois que beaucoup ont déjà vu le lien sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur YouTube. Mais ce n'est pas aussi compliqué de présenter le lien et de demander aux Ivoiriens qui résident à Paris de soutenir ces genres d'actions. Voici la maman qui s'est occupée en action. Finis pas, moi t'as
Christine Zoku en action. Je suis fier. Je suis très fier d'elle. Mais je tiens à remercier tous ces Africains qui ont participé à l'action. Surtout la dame qui dit toujours je suis devant. Sois salué là-bas. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier quelques Français qui ont compris le sens du combat ivoirien et qui se sont ajoutés à notre maman et notre sœur Christine Zoku. Chers Ivoiriens, ne dites pas que il y a longtemps on a fait ça, jusqu'à nous on a fait ça avant. Tu as fait ça hier. Tu as fait ça avant-hier. Et puis, tu es peut-être fatigué. Mais en ce moment-là, où tu le faisais, il était encore très, très, très fort. Il était très fort, hein, parce qu'il était soutenu par des vampires comme Sarkozy. Et puis, il continue d'être soutenu par ces vampires-là, parce que c'est le système même qui l'a fabriqué. Mais actuellement où je parle, actuellement où nous parlons, nous avons entendu des tirs retentis en Côte d'Ivoire, réclamant des sommes, de l'argent. Ça veut dire quelque part qu'il y a une fragilité. Et comme il y a une fragilité, ces gens d'action-là doivent être automatiquement soutenus en grand nombre. Christine Zoku, la maman Christine Zoku, il y a longtemps qu'elle est dans les actions. Il y a longtemps qu'elle mène le combat. Mais pourquoi elle continue? Une dame qui seront malgré son âge, hein, malgré son âge, continue sans repos. Mais vous qui êtes jeune, vous qui avez toutes vos facultés en place, vous qui avez vos biceps et vous qui avez tout ce qu'il faut pour que quelqu'un soit en pleine forme, vous êtes là, vous traînez les pas. Mais comment est-ce que l'opinion internationale puisse au moins se réveiller ou dire une fois pour de bon, réellement en Côte d'Ivoire, ça ne va pas, il faut réagir. Faites quelque chose. Voilà, approchez-la et puis créez beaucoup d'actions pour continuer. Parce qu'une goutte d'eau qui à chaque fois touche un béton, à un moment donné, quel que soit le temps, le béton va s'écrouler. Donc il faut continuer, il faut vous ressaisir. Vous savez bel et bien que Paris, c'est le centre de tout, c'est le cerveau même de tout ce qui a pu se passer en Côte d'Ivoire. Moi, je tenais qu'à faire une remarque, et cette remarque-là, il y a eu quand même un relâchement au niveau de Paris, parce qu'on est resté dans des histoires de leadership, on est resté dans des histoires de positionnement. C'est vrai, tu as ton charisme à toi, tu as ton savoir, tu as ta connaissance, tu es aimé, mais réellement, les actions, il faut les soutenir. Sur la liberté d'expression, Laurent Gbagbo a mené le combat et il a réussi à avoir gain de cause en 1990, précisément le 30 avril. C'est là que la liberté d'expression a eu, comment on appelle ça, cette envie de sortir. Cette liberté d'expression a permis qu'il y ait des espaces de libre expression. Et puis, c'est quand on crée maintenant des espaces de libre expression ou qu'on organise des meetings, ça peut sensibiliser des gens à des actions. Voilà, c'est par rapport aux actions qu'il y a les meetings. C'est par rapport aux actions qu'il y a eu le Parlement Agora et aujourd'hui il en existe toujours. Donc, si les parlements, si les espaces de libre expression existent, ou bien s'il y a des meetings, qu'il n'y a pas d'action, vous voyez que ça devient stérile. Le combat ne connaîtra pas une véritable bouffée d'oxygène. Il faut engager des actions. Il faut initier des actions. Il faut oser pour que le monde entier se sente interpellé. Voilà. Je tiens une fois encore à remercier maman Christine Zoku. Merci beaucoup. Je te tire mon chapeau. Que Dieu te bénisse.